TBS TV Réseau. À toute réseau lié, interconnecté à travers mon plan. News TBS TV Réseau. Yo équipe reporter, présentateur, connaît qui moun yo plan ak vision yo pour communauté. Yon seul réseau, yon seul équipe. TBS TV Réseau, référence. TV, where you learn and laugh, and we are international. BPX TV, the one and only. South Florida, get ready for one of the biggest annual year-to-year events. Because on Saturday, October 7th, we celebrate one of the most iconic radio stations in the history of the HMI. It's Radio Touche Du's 29th year anniversary celebration. And it's going down at the Catch Lounge, formerly known as Mocha Cafe. And performing live with this one is Benjin and Cadillac. That's right, Benjin and Cadillac. Also performing live is Jafford. That's right, Pedro Foster and the crew. Jafford performing live. And it's going down Saturday, October 7th. Samedi, 7 October. At the Catch Restaurant Lounge. 738 Northeast 125th Street. Formerly known as Mocha Cafe. Also celebrating Coach Kenon, Kirby, Varda, and One Night We Done birthday celebration is Jafford, Benjin and Cadillac. With a halftime show by DJ Pad, DJ North, and DJ Kochi Mix. For VIP sections and reservations, call 786-277-1093 or 786-506-2828. You can also purchase your tickets on eventbrite.com. It's Radio Touche Du's 29th year anniversary, Saturday, October 7th, with Benjin, Cadillac, and Jafford. Don't miss it, because this one is guaranteed to be legendary. BPX Supertour et groupe 19019 Royal Caribbean Cruise Line a invité nous toutes dans la grande première réunion famille qui a fait comme une célébration effort humanité sous bateau du 30 décembre au 7 janvier 2024 dans Royal Caribbean Cruise Line. C'est Symphony of the Seas. C'est pas même croisière nous qu'on a allé yo. Ça a différent de tout l'autre yo. Vous avez droit pour aller directement Royal Caribbean Cruise Line pour faire choix cabine ouvrée, intérieur, ocean view et balcony. C'est groupe 19019, vous êtes capable de déposer $600. Pour réservation, relayez 1-800-465-3795. Pesez 5, vous êtes pour groupe 19019, vous additionnez dans le groupe ça. Départ, Port of Everglades, Fort Lauderdale, St. John's, Antigua, Philippe Zibber, Saint Martin, San Juan, Puerto Rico. Et Labadi, c'est là, célébration en gavé. Hommage à artistes et artisans Labadi, nous sommes capables de porter pour vous, sablé, brosse, pinceau, peinture, etc. Là, un touriste acheté un tableau ou bien une pièce artisanale en Haïti, c'est le monde qui veut nous. Pour plus d'informations et assistance, croisez ça, passez dans BPX Super Tour 15490, Nord-Ouest 7e Avenue, Miami, Florida, 33 169 806, téléphone 786 642 3535, 954 657 2009. En aller, donc superbe croisière, 30 décembre au 7 janvier 2024. Depuis qu'on y est, la profite de nous, à pied à l'idée et bon voyage! Et pendant que le Conseil de sécurité a commencé, on a applaudi 15 pays qui siègent en Conseil de sécurité. Et parmi 15 pays, ça, on se dit tout à l'heure là, il y a 2 abstentions. Donc 13 pays votés pour résolution passée et 2 dans eux, c'est la Russie avec pays la Chine. Donc deuxième point, passé bien vite, puisque c'était vote. Dans le moment qu'on a parlé là, c'est pays Mozambique, représentant pays Mozambique qui a parlé, la félicité et résolution ça qui passait. On a applaudi tout que c'est pays Brésil qui préside le Conseil de sécurité ça. Et encore une fois, donc résolution passée, qu'on y a assez implémentation résolution ça. Donc parce que les 13 importants
moun k ap gade aussi peut-être en dernière nouvelle que n'a fò konnen résolution passée finalement et c'était en présence tout de ministre affaires étrangères pays d'Haïti monsieur Jean-Victor Généus qui était lui-même qui dit même justement dans salle dans le moment là t'a pas assisté à séance ça ou séance qui joigne et vote favorable pour résolution ça résolution S2699 qui pral évidemment courir par shot et par chapitre 7 shot Nations Unies Jacqueline et ben résolution li d'accord pour que une force multinationale entre dans pays a dirigé à la tête li avec pays Kenya. Donc il y a quand même des critiques qui ont fait et sous et force Kenya, force pays Kenya n'a pas plus qu'à à la tête et donc a dit force multinationale ça. Il déjà prévoit plus passer 1000 officiers police qui sont forces policières et militaires en tout cas et critique qui gagne c'est que force police Kenya ça yo reconnu pour Zach Masfina et que habitué fait les déployer dans différents pays, yo reconnaît tout pour des abus, pour des façons qui ont traité ou même torturé et des tortures que ont fait. C'est ça critique yo dit. Donc c'est peut-être ça qui poussait par exemple au président pays là aussi à questionner et bonne décision ça qui prend Johnny Jodi ah. Mais en tout cas au cas d'accord avec moi à l'unanimité yo voté pour force là aller en Haïti. Arrivé au CSPJ en décembre de l'année 2022, nous nous sommes évertués de concert avec les conseillers Durin Junior, représentant des cours d'appel, Kavel Jean, représentant le parquet de la Cour de cassation, Rondo Saint-Villiers, représentant des TPI, Nader Désir, représentant les TPX, Evans Fils, représentant de la Fédération des barreaux, et avec l'appui de l'exécutif et du personnel administratif de l'institution, oui, nous nous sommes évertués à faire œuvre qui vaille. La Cour de cassation, paralysée depuis environ une année, a été rendue fonctionnelle. Trois opérations de certification, respectivement en janvier, juin et septembre 2023, avec pour résultat 88 magistrats certifiés, et 37 non certifiés ont été réalisés. Les deux bras armés du CSPJ, en l'occurrence la Commission technique de certification et la Direction de l'inspection judiciaire, ont été renforcés, ce qui nous a valu, malgré les contraintes du moment, le traitement de 117 plaintes sur environ 420 adressées au CSPJ pour la période allant du 4 avril 2018 au 22 août 2023. Il convient aussi de signaler que, pendant ce court laps de temps, une commission spécialisée des marchés publics a été instituée tant au CSPJ qu'à la Cour de cassation. Par ailleurs, dans le cadre d'une série de formations qui seront organisées dans les 18 juridictions du pays, un programme de 2 jours sur les techniques d'investigation en matière de violence sexuelle en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et l'École de la magistrature a été récemment tenu au profit de 28 magistrats issus des juridictions des tribunaux de première instance du Cap-Haïtien, de Fort-Liberté et de la Grande-Rivière-du-Nord. Son futur dépendra en grande partie des actions que vous et moi nous aurons posées aujourd'hui. Bonne année judiciaire à toutes et à tous. En ce premier lundi d'octobre, Rame, comme toujours et chaque année, la réouverture officielle des tribunaux. Le parquet près la Cour de cassation se réjouit de communier avec l'ensemble de la communauté judiciaire haïtienne à travers cette cérémonie solennelle et traditionnelle
de démarrage des travaux de la nouvelle année judiciaire, ce grand rendez-vous annuel tend à rappeler à chacun de nous, ici présents, que nous formons une belle famille. Pour avoir fait œuvre qui vaille, et rassurez-vous, le bateau tombe, mais il ne coulera pas. Lorsque l'intérêt général historiquement n'est pas la marque d'un État, que l'exclusion citoyenne est le principe, que le monopole est la règle du jeu dans la sphère économique, le déficit d'intégration ne peut conduire qu'à l'implosion. L'État est alors dans l'étau. Les grands pouvoirs, ne pouvant plus jouer leur rôle régulateur, faillissent à leur mission et s'étiolent. Livrée à elle-même, la population, privée de l'accès régulier à la justice, en vient à perdre les repères et cherche le salut dans le long calvaire de la désespérance via les routes périlleuses de la migration. Incapable de répondre aux besoins de la population en termes de services publics minimum, incapable d'assurer un climat de sécurité, incapable de garantir les conditions d'une économie compétitive, incapable d'intégrer la majorité de ses habitants dans une perspective de développement national, l'État haïtien serait-il en situation de défaillance? Or, le retour à une certaine normalité institutionnelle passe nécessairement par le renforcement de la formation chez les jeunes avocats et avocates et par l'extension de la connaissance du droit au sein de la société. Une telle entreprise doit s'appuyer tant sur les initiatives internes que sur les programmes de coopération externe. Ce lundi 2 octobre marque la reprise des travaux judiciaires des cours et tribunaux de la République, conformément à l'article 75 du décret relatif à l'organisation judiciaire du 22 août 1995. Faisons injonction aux différents membres du corps judiciaire d'entamer l'année judiciaire le premier lundi du mois d'octobre et de la terminer le dernier vendredi du mois de juillet. Je ne saurais ouvrir avec vous cette année judiciaire sans saluer la mémoire des magistrats victimes de l'insécurité. Nous en profitons pour présenter à leurs familles, leurs amis et leurs collègues les plus sincères condoléances du gouvernement et du peuple haïtien. Peu importe comment on engage le débat sur l'état de la société ou le lieu duquel on constate ou juge cet affaissement généralisé, c'est à la justice que l'on pense, et l'on a raison. Il y a un cruel besoin de justice et une urgence pour que notre système fonctionne, que chacun puisse faire son travail dans les meilleures conditions qui soient, et que chaque décision prise dans les affaires mineures, comme dans les grands cas, le soit dans la perspective de fortifier l'avenir, de créer un système judiciaire crédible à la hauteur de ce que nous méritons en Haïti et capable de rassurer chaque citoyenne et chaque citoyen. Pour le bon fonctionnement de la justice dépend des magistrats. Bonne et fructueuse année judiciaire 2023-2024. Allô? Allô, oui, comment est-ce là? Bella, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, non, Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. Piyay, piyay, piyay. Shelley Bloom's Fashion Clothiers, trois costumes, trois mouchoirs poches, trois cravates, trois chemises, trois paires chaussettes, 373 Shelley Bloom's Fashion Clothiers, number one in America.
gen piyay, gen kado. Nan Shelly Bloom, kon samble dou. Distance pa problème encore pour nous consulter docteur nous. Technologie a ban possibilité à nous profiter. Sous Track ça, bon parler nous de Fast Telemed membership de docteur Franz Saint-Ville. Li nan 15 North Florida Avenue Tampa Florida, mais ou capable consulter n'importe côté la caillou dans machine ou dans travail. Surtout ou même qui fait entrer pas bon ici a, bagay yo koko fin trop bon nan men ou. Programme ça c'est pour même la coûte seulement $150 pour toute année à peu près $12.50 par mois ou payer par Zelle Cash App crédit carte money order gens plus facile pour vous. Quel que soit côté ou dans Florida ou consulter il y a bonne prescription si vous avez nécessité examen il y a pour vous à le faire si vous avez besoin de faire radiographie il y a pour vous côté plus près là il y a pour vous résultat bas et puis mes traitements. Si Carla a nécessité un autre docteur, il a préféré Fast Telemed Membership, c'est consultation sans limite. Ou fait tension sur si cholestérol, infection et la trier. Yo connaît qui j'en wap souffri et ou pas gain assurance, programme ça c'est pour oui. Ou inscrit jodi a dans 2 jours ou capable commencer joui programme là. Rele pour inscrit jodi a même. Yo parle créole. 813-264-7300 813-264-7300 Encore, c'est 813-264-7300 North Miami, Florida, 3361. Et pas oublier, bah, au téléphone, là, 786-667-0767. Non, exception, service à garantie. Dans les camps et immigration. Bon, il y a un centre de détention pour l'immigration, il y avait transféré, on va le voir la caillou. Donc, c'est là, on y est. Bon, je reconnais là depuis la semaine dernière, tout pas bien fini, tout pas bien finalisé. Et qu'est-ce après pour moi, il est parti. Et à la dernière minute, je me dis donc que Haïti, pardon, c'est vert pour moi entrer en Haïti. Donc, là, actuellement, il me censé, c'est en otage de service immigration. Et américaine, puisque et la loi claire sur ça, que aucun pays n'a pas d'empêcher citoyen de rentrer dans le pays. Il y a 6 citoyens qui ont décidé de rentrer. Moi-même, moi, décidé de rentrer, moi, je veux rentrer, moi, je tout papier. Donc, il n'y a aucune raison légale pour que je me otage. Très bien. Avant d'aller dans le détail, ça, dis-nous qui j'en ai les conditions de détention, qui j'en ai. Ou c'est au monde qui lit, puis c'est au fin de juger peine, d'après ça, nous connaît. Normalement, il y a la guerre. Ou c'est au monde qui lit, mais qui ne peut pas rentrer la caille. Mais la condition qu'il y a, qui j'en ai exactement, qu'il y a. Bon, condition que m'y là, il n'est pas différent de condition que m'y depuis 7 ans, depuis 6 ans, 6 ans et demi, depuis américain, avec gouvernement corrompu Haïti, et était fait et contre, il a kidnappé un sénateur en fonction. Donc, on connaît Valérie que, en pile fois, attendez, dans la rue, et Guy Philippe, son sénateur élu, il va guérir un peu différemment. C'est parce que Mounio est journaliste qui a dit, ou bien il a intérêt pour nous, ou bien il n'a pas appelé ses recherches, puisque selon la loi, haïtienne, selon l'article 95 de la Constitution de l'IA, amendé, moi, je suis un sénateur en fonction.
parce que l'élection n'est pas faite en retard, et dès que vous publiez le journal officiel, là, dès que vous validez le scrutin, quand vous validez le scrutin, moi, je viens en sénateur en fonction. Donc, depuis le soir, et depuis le cas où est-ce qu'un pays qui est capable de démocratie, parce que l'Amérique n'est pas bon vers l'eau pour la valeur de démocratie, respect la démocratie, respect la loi. Et pourtant, il n'y a pas incité à rentrer dans le pays pour kidnapper un sénateur dans le pays, malgré que n'y a aucune loi d'extradition. Il faut nous connaître, il faut nous dire. Il n'y a aucune loi d'extradition entre Haïti et États-Unis qui permettent que vous fassiez ça. Ce sont des ordres, sont bagages que vous campez dans le pays d'Haïti. Samedi 30 octobre 2023, président américain Joe Biden signe un projet de loi temporaire sous budget fiscal américain après chambre représentant ak Sénat te fin passé projet de loi ça pour te éviter gouvernement fédéral la ferme. Last night Congress passed hier soir Congrès a te passé un projet de loi sous dépenses qui pral kembe gouvernement louvre. Ça c'est une bonne nouvelle pour peuple américain parce que gouvernement pas pral fermer et puis une crise qui pas nécessaire pral éviter. Des millions américains sauvés en bas doulé inutile. Président Biden te blâmé républicain yo parce que yo te retardé chita palé sous dépenses gouvernement et li te assuré Ukraine que si pas ak aide américain yo pas faire one pot. I want to assure our American allies and the American people and the people of Ukraine. Moi vle assuré allié américain nou yo, peuple américain ak peuple ukrainien que yo ka compter sous sipon. Nou pas couri. Pi fort majorité dans tout des parti yo, moi répété, démocrate ak républicain yo, sénat ak chambre si porter aide là dans Ukraine ak agression brutale la Russie imposé sou yo suspend jouer fait accord ça jodi a pendant n'a évité yon crise immédiat a fini dans 45 jours moins deviné et puis la presque fini juste avant Thanksgiving. Franchement moins malade et fatigué, moins fatigué accord red ça et peuple américain. I'm sick and tired of the brinksmanship. And so are the American people. Chambre représentant américain te passé yon projet loi financement sans pareil nan samedi 30 septembre ak yon gros sipo démocratique après président républicain Kevin McCarthy te fait back devant yon demande sipote parti qui pi difficile là pour yon projet loi partisan. Yes, I did. Oui, moi te fait li, mais gen kek mam nan propre conférence nou an ki pa de voter projet loi. C'est comme ça, si ou gen mam nan conférence ou a ki pa permet ou voter pour projet loi affectation an, ki pa vle yon projet loi consolidé et puis ki pa voter pour yon mezi provisoire, seule solution an, c'est te fermer porte nou et puis pa payer troupe nou yo. Moi pa vle faire partie équipe ça. Moi vle faire partie yon groupe conservatif ki vle faire bagay yo. Résident d'ici te exprimé opinion yo dimanche 1er octobre. Tobla sous projet loi Congrès américain qui t'a évité fermer gouvernement. Yon électeur local Nicky Santos t'a dit. Moi t'ai excité. Moi sorti dans yon communauté coulé. Moi connais t'a gen trop risque pour famille nous si gen yon femti. Et spécialement difficulté financière yo ak tout bagay qui t'est en danger. Président États-Unis Joe Biden t'a signé un projet loi finance temporaire samedi 30 septembre 2023 pour te respecter date limite minuit. Sénat qui gen majorité démocrate yo, te voté 88-9 pour passer mezi qui visait pour éviter 4e femti gouvernement fédéral là dans 10 l'année. Et chambre représentant te voté 335-91 avec plus vote démocrate pour financer gouvernement jusqu'à 17 novembre qui baille 45 jours en plus. D'après président américain Joe Biden, gen assez temps pour yo passer projet loi finance gouvernement pour prochaine année fiscale là. Et li encourager Congrès là pour commencer travail immédiatement parce que peuple américain attend pour gouvernement travail en assurer que li fait ça. Gentil Augustin Junior, Washington pour BBX TV réseau. C'est lui même pas rien l'autopositionné à ou ses yeux ou ses oreilles communauté à et c'est vous même pour qui éduquer vous, c'est vous même pour qui faire reconnaître ça va passer. Kembe ferme, kembe travail là, continuer, kembe la balague. Real time, good time, best time, all the time, n'importe qui le relais numéro ça pour nous avoir plus d'explications. 786-642-3535. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quel que soit douleur gagnant, c'est causé, mais pommade ça, inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786-642-3535. Si on rhumatisme qui a calé dans la main, si on douleur dans le pied ou pas qu'à camp ou pas qu'à marcher, ou on douleur quel que soit ceinture épaule, quel que soit côté fait opération,
yo pral faire opération, relé numéro ça. 786 642 3530. Pomade la fête aux États-Unis depuis 1998, FDA approuvé, le docteur recommandé, si moun 2 ans ka serve avec sans problème, li pa chaud pa fret, li pa en couleur, ba en sang, li ba en tache tap kite sou. Relé numéro ça pour plus d'explications. 786 642 3530. Relé si yo pa répond nous, kite non nous avec numéro téléphone nan, très important le numéro ça. 786 642 3535. T'en appelle avant n'ap marché. Pour bay bon Dieu gloire, l'honneur lui-même seul mérité, Camology Production a présenté The First Florida Asian Gospel Festival of its Kind. Samedi qui va 7 octobre 2023, dans l'église de Dieu Mont des Oliviers, qui blaye dans 13230 Northwest 7e Avenue, dans North Miami. C'était à souhait, ouais par ouais. Pour information, 305 893 88 99. Donation 20 grains dollars. Pour éviter embouteillage, achetez qui sous Eventbrite sous Zelle à Kachap nan numéro ça 305 893 88 99 groupe à artistes invités Apocalypse 2000 Julien Janvier Transition Rossini Léonard El Chama Chen Chen frère André Alestibac frère l'image Pierre de New York Claude Aurélien de New York Wilbert Danger Yuden Delphin Mackinson Jonathan LOG danse théâtre comédie son couleur maître de cérémonie Wilkinson Théodore de New York c'est un festival qu'on s'abonne j'ai qu'à visiter au fini pour l'esprit saint scellé C'est avec parole ça yo, Bella Belton, yon haïtienne qui quittait volontairement République Dominicaine, t'a exprimé li devant caméra ak nan micro VOA créole pendant week-end nan, nan moment li t'a vin pote sipo li bay travailleur haïtien yo nan canal la. Bella Belton invite pep haïtien pour gen plus courage jusqu'à ce que yo remporte la victoire. Pour me vini ici, pour moi grand travail ça, grand unité ça, nous mettez entre haïtiens, nous t'a gon espace en division, mais quand y a moi nous uni. Eh bien, c'est pour nous gagner courage, pour nous persévérer, pour nous remporter la victoire. Demain, pour nous venir en Haïti meilleur, pour nous venir Carago Haïti, femme vaillant, homme vaillant, cap lité, homme courage, cap défendre liberté. Puis loin, Bella Belton t'a tout profité, voyez yon pinga, by Premier ministre haïtien Ariel Henry. Pendant te remercier président dominicain Luis Abinader, lui dit qu'il ouvrit le peuple haïtien. Avec Ariel Henry, Premier ministre, c'est lui-même qui reconnaît que nous avons gouverné le pays. Je dis Ariel, qui a un ciel à gagner, on en fait éviter. Veillez pour ne pas vendre l'indépendance Haïti. Eh bien, président dominicain, Abinader, moi je dis Abinader, merci parce qu'il a ouvert les yeux. Abinader ouvre les yeux en pile haïtien. Ou même si on va ouvert, ou beaucoup ouais, ou retendre dans ou caché fait nouvelle. Gardez, Haïti attend nous. Haïti attend nous avec deux bras ouverts sur la caille. Même ce phénomène, moi c'est content. Moi c'est me réjoui. Malgré ce phénomène dit comme ça. Nous pas passer grand goût Haïti, mais peut-être nous passer grand goût nous remporter la victoire. Jodle Junior Saint-Ville depuis Wanamet. Je viens là en tant qu'haïtien qui vient exprimer solidarité, ma travail qu'a fait pour nous faire premier canal nous sur le massacre là. Après, la République dominicaine prend 11 déjà. Alors moi, mon litige pour rien, le président dominicain, pour des raisons électoralistes, qui a créé une division inutile entre deux pays. Division inutile entre deux peuples. Je viens là pour me de solidarité, ma tout fait ici. Hein. Pour me dire canal là, même si la fête, on a mettre, mais c'est un canal haïtien. Nous tous ces Haïti, nous tous ces canal. Alors c'est ça qui message par moi. Ma félicité pour la solidarité, moi, peuple haïtien, à travers le pays et dans la diaspora pour le canal la fête. Et ma encourage nous, tout cap gardé. Continuer pour te solidarité ça, pour nous faire canal ça, qui pour diminuer dépendance nous
et sur le plan alimentaire de la République dominicaine pour ne pas acheter manger la caillou. Parce que en jeu, c'est environ $1 milliard par an acheter la caillou. En jeu, c'est des centaines, des milliers de compatriotes qui vont travailler la terre, qui vont travailler dans la construction, qui vont travailler dans le secteur touristique à la caillou. En jeu à tout, c'est ambition politique dont on a besoin de président encore, c'est droit pour le besoin de président encore, mais pas au détriment de l'autre peuple, pas au détriment de relations entre deux pays. Je dis à quelqu'un qui a une responsabilité de ce qui est passé là. Si quelqu'un qui a perdu l'argent en République dominicaine, c'est responsabilité du président Abinader. Si quelqu'un qui a produit pas 40 ans en Haïti, qui n'a problème, c'est responsabilité du président Abinader. C'est pas responsabilité du peuple haïtien et du peuple dominicain, parce que deux peuples ça ils sont là pour vivre ensemble et ils sont toujours ensemble très bien. Alors, le message moyen, c'est un message de solidarité et c'est pour ça que nous ministre, comment vous comprenez, après un bel discours que Pierre-Emmanuel Henry fait dans les Nations Unies, jusqu'à maintenant, pourquoi les gens qui ont un matériel qui vient sur le chantier, c'est les gens qui viennent et les gens qui viennent côté Siboyo qui ont mis un bout de zone pour capable de finir le canal. Ça, c'est un bagage qui mérite de corriger parce que responsabilité est une responsabilité d'État. Nous, chaque président Abinader parle, il dit que pas d'interlocuteur en Haïti. Interlocuteur n'a pas dit qu'il n'y a pas de monde. Comme projet qui prend le plus haut niveau, c'est la présidence dominicaine à travers M. Abinader qui prend le dossier. En Haïti, comme pas de président, c'est M. Ariel Henry qui est en charge du pays. Mais c'est lui-même qui doit approprier le projet. Le projet est un projet d'État. Et moi, je tout lance un appel à l'autorité dans le gouvernement pour plus vite possible venir embrasser, poter coller à tout paysan, toute association qui a fait travail ça, pour que le canal là, ils sont œuvre d'État qui a mené dans l'intérêt du peuple haïtien. La presse sur canal dignité, canal résistance là pour nous faire un message passé. Nous songe dimanche dernier te gagné entre électe vinn déplacer ciment yo que nous gagné dans gala là que nous estimé ciment yo qui en bas nous n'a perdu yo et en gars ça a trouvé son bagaille qui était fait même avant comité a monté c'était un bagaille provisoire parce que nous pour côté joindre dépôt pour nous te mettre ciment yo. Nous te décidé lever ciment yo pour nous al mettre dans l'autre dépôt qui sécurise et dépose ça. Je ne te promets la presse, hein. L'un dépose ciment, la presse prend le côté ciment et apprend qui quantité ciment qui gagne dans le dépôt ça. Il arrive que hier, nous jouons même très là, que nous avons manqué. Et bien, du feu là, mettre lit. Décide de prêter nous lit encore. Là, nous venons, nous mettons 200 mobiles dans la rue, sous chantier, pour marcher sensibiliser les gens, pour nous faire comprendre la nécessité pour nous lever le ciment. Malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui disent que c'est des agents BESAP. Nous-mêmes, nous comprenons que c'est des agents BESAP qui te disent que c'est sous cadavre pour le ciment lever. Ça fait les gens qui t'a prêté nous, marche camion, ils sont très réticents, ils ne veulent pas nous camion encore parce que ils sont bien en danger. Dans ce sens, nous avons parlé avec le directeur départemental Bessaplan. Nous avons dit l'inamel parce que monsieur n'a pas voulu nous camion encore. L'inamel pour venir mettre, pour venir parler avec la population et puis bye. Perception fait quoi? C'est Bessap qui dit qu'il n'y a pas d'accord pour lever le ciment. C'est dans ce sens que nous présentons là avec le directeur, M. Camiel Samson, qui prend la population et les gens qui ont pris nos services avec Télé pour nous garantir. Tout le monde qui a suivi nous là pour connaître que le ciment, nous pas qu'à quitter le gâté là parce que les gens qui ont nous ciment, en pile fois, c'est ça, ils ont retiré ça bagaille dans la poche pour résoudre le problème personnel. Yo même c'est des patriotes qui comprennent dimension canal ça qui baille cob pour acheter ciment nous pas gain droit pour nous quitter au gâté là et jodi un ciment yo pral lever bon de toute façon c'est un monde ça et en gros ça débute de Woodline dit hein c'est ça lié ingénieur Woodline ça lié parce que
je ne vous dis pas. Sans pile qu'on les pieds, qui fait, je ne vous dis pas, qui fait ne pas prendre la déception face pays ça. C'est tout normal. Nous passer dans le sens formel pour nous capables de gérer ça. Même les peut-être qu'il y a un individu qui parle au nom de Bessap, qui parle à Buffet, c'est des respectants. Il dit c'est Bessap qui dit qu'il doit y être addiction pour s'y m'avaler. Là, c'est fréquent. Ok? Pas arrivé, M. Gagin a un mot pour Koa, il peut parler au nom de Koa, mais sans que lui-même il parle de joindre quelle autorisation il parle. Il parle au nom de Bessap, mais moi-même, directeur départemental qui est supposé parler l'autre, puis il parle sous nom Koa, jamais. Pas de parler comme ça. Dans ce sens, mes amis, il faut que nous tous, en général, fassions une chaîne solidarité avec l'autre pour nous capables de collaborer parce que l'argent n'est pas facile. Je ne veux dire, certes, nous vivons à l'aigné, côté que nous voyons que dans pile ciment, on qui retrouve en bas, il n'y a pas même un bout d'habitude, dans plusieurs dépôts ciment, quand on a des bagages en bois, moi, quand on a des de ciment. Bon, c'est une sauvée cité que nous avons fait la série pour travailler, pour travailler, pour jouer un ciment, pour capable de travailler. Et bien là, nous jugeons bon, peut-être que le comité canal là, bon, nous représentant et Mme Widlin a dit dans ce côté que il est en fin de faire tout arrangement possible pour si ma capable déplacer normalement pour la mettre de l'autre côté qui plus ou moins en sécurité. Là, nous avons la même faute dans ce côté que nous sommes capables de collaborer ensemble avec eux et nous avons des agents pour capable au moins accompagner eux, ils sont capables de conduire et aller avec Simon côté pour le reposer là. A dit là, et c'est une des raisons que nous sommes obligés de faire ça ensemble avec nous-mêmes qui sont les yeux. Et maintenant, tout Haïtien qui vit dans le monde, d'être en général, parce que je connais quel que soit côté OEA, ou à l'autre côté OEA, je connais que tout le monde a reçu un message là. Puis on connaît que normalement, tout investissement que la diaspora a fait envers la nation haïtienne, pour capable de mettre nous à l'honneur envers le pays voisin, hein, égale tout, bah, je suis capable de dire, mon cher, tout bagage, tout bagage de sécurité. Égale dans ce sens, et bon. C'est un plaisir pour Samson Kamel, qui est présent là. C'est un plaisir pour Samson Kamel, qui est là. On va inviter là, puis une déclaration ça. On va tout accès possible, accès sécurité, pour capable sécuriser Simon, puis le déposer la position, en façon normalement pour le canal là, parce que nous connaissons que si le canal là c'est capé, capé, canal pas de jambes capé. Mais devant net, là, on oublie elle. Mais monsieur, là, mais on se le bagage, regardez-nous, s'il vous plaît. Non, bagage m'a dit qu'il est pas temps. Non, non, le bagage est question. Dans le moment là, monsieur, de tout pour nous faire ouvrir en bas, parce que l'argent qui a tombé là pour aller la camper. D'accord. Ouais, il y a des haïtiens là qui ont l'argent en main pour deux autres fêtes. Tout le monde vient ouvrir en bas. Capoa Capoise, résident à Miami et au Cap Haïtien, j'ai bonne nouvelle pour vous. Je vous propose Cap Express Shipping pour la fiabilité, la sécurité et la rapidité de vos marchandises. De Miami à Cap Haïtien, Cap Express Shipping transporte conteneurs pour quelque soit marchandise. Nous faisons transport machines, meubles, pépés, produits cosmétiques, peintures de bonne qualité en gros et en détail. Relais Baptise Enterprise LLC dans 954 865 3022. Commandez panneaux solaires, batterie, régulateur et latrier. N'ayons budget, n'apportez au cap pour vous. Avec Cap Express Shipping, c'est une question de prendre en main, bail en main. Sonny, où est-ce que je dis? Mais Vito, là, je vais faire une expérience. Ou pas, je vais faire une vie. Je vais faire un bouton pâté formidable. Et fun en bouche. Hein? Tandis, je beaucoup fini. Où est pâté ça? Le madame l'a fait. Lui levé bonheur. Lui met un pile bon sens, un pile énergie, un pile courage pour pâté à sortir. Jean-Ouel y est là. Ah, je beaucoup fini. Où est-ce que ça, papa Mabdi? Pour occuper par rapport avec pâté l'outil, pâté au fait bien vite. Moi, simplement, mettez viande moi dans pâté là, moi fermé. Mettez-le dans le four et voilà. Qui sont ouais? Oui, ou bien les hommes. Non, mon cher, reste ça, c'est pour moi. C'est là que je suis venu. Je vais frapper dans la porte là. Pour te la frapper, je vais me regarder moi. Ou qu'à frire, pas de l'outil tout. Ou ap jwenn prodwi loti nan tout market ka vann prodwi ayisyen. Si il m'a de auto, ou ap
Monsieur, anti automobile. Lance Autocell AN40, c'est référence dans la machine. C'est Nandoulogs. 2401 Pinkbook Road, Hollywood, Florida. 33-020. Téléphone 954-893-4118. C'est seul côté. Yo prend cash, yo prend les way, yo finance. Et puis yo des bons prix. Ah! Pop Green, Isuzu, Toyota, Honda, Kia, BMW, Nissan, Chevrolet, Ford, Vin, Pickup. N'importe voiture, côté toujours rêvé. Kouya, Pop Green, Lina, Toulogs. Passez où yo kounye, pendant ma parole voilà. 2401, Pinkbook Road. Manez-vous Rickson Walk. Dil c'est Sony Belafon qui voyait yo. Rélez le téléphone ça. 86-290-43-78. C'est Nadoulogs Auto Sale. S'il m'a de auto. Hello everyone in the community watching. We are here to tell you about BPX TV Razo. If you have not heard about it, I want you to know this is your space. If you want to grow any business that you have, if you have a commercial that you want to put out there, if you want to have your own TV show, or you want to be promoted in anything television, BPX TV Razo is your spot. Remember, Sony Belafon, reach out to us, BPX TV Razo. We'll see you soon. BPX News! BPX TV Razo! A tout réseau lié, interconnecté à travers mon plan. News! BPX TV Razo! Yon équipe reporter, présentateur, connaît qui moun yoye, plan avec vision yo pour communauté. Yon seul réseau, yon seul équipe. BPX TV Razo, référence!